Avant de vous quitter, et afin de devancer les critiques qui ne manqueront pas de tomber sur ma prétendue vulgarité, je vous ai composé sur le modèle de Cyrano de Bergerac, une petite ballade pour les trous du cul, et les rabat-joie et les culs serrés qui pensent qu'on ne peut pas rire de toi alors même qu'on peut le faire, et à juste titre. D'ailleurs, ça, c'était le titre. Tu as l'air triste, médusé. Heureusement, j'ai le talent de distraire, enfin d'amuser, sans pour autant être excellent. J'ai là deux, trois trucs truculents qui, dans mon cerveau, ont mûri. Je te préviens, tiens-toi les flancs, à la fin de l'envoi, tu ris. Tu prétends que l'on a usé les ficelles depuis longtemps, que les rires sont saturés, très humoristes dans une soirée, et qu'il y a plus important. Tu t'en vas donc en t'exhortant de lutter pour les démunis, et devant le boulot qui t'attend, à la fin, tu envoies du rire. Tu n'as pas agi et pleuré pour chaque drame, en inclinant ta tête jusqu'à l'enterrer sous des gémissements lancinants. Mais la mort allait cheminant, quand les larmes se sont taries, le souffle court face au tyran, à la fin de ta voix, tu ris. Envoie, prince, après avoir avalé du malheur 30 années durant, mais sans jamais en rigoler, à la fin de la vie, tu rends. Merci.